Bonjour à tous. On va attendre quelques petites secondes pour attendre toutes les connexions. Pendant ce temps, vous pouvez commencer à préparer votre matériel. On va être sur un atelier donc multitechnique. On va travailler à la fois du crayon de couleur, mais aussi donc de l'aquarelle. On va mixer aquarelle et crayon de couleur. Puis après, vous verrez qu'on travaillera un petit peu du contour et aussi le travail des lumières. Voilà, donc on est aujourd'hui sur le sixième live Canson Giotto et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui autour de cet atelier-là. Donc aujourd'hui, j'ai choisi comme artiste Paul Gauguin. Donc on est vraiment plus sur un ton coloré et il nous fera voyager à Tahiti dans une ambiance apaisante. Alors c'est vrai que ces temps-ci, nous avons besoin de rêver un peu, de choses colorées, de gaieté. Donc je vous propose aujourd'hui une invitation au voyage à travers le dessin. Je vais vous apprendre durant cet atelier comment utiliser le crayon de couleur Giotto Style Nouveau sur papier Canson 180 grammes. Ça va être vraiment la base de cet atelier-là, mais aussi la technique du crayon de couleur sur une base aquarelle. Donc nous verrons les valeurs, le travail du drapé et aussi le plus important durant ce cours, la maîtrise des couleurs de peau avec le crayon de couleur, donc Style Nouveau, que nous avons ici. Si vous n'avez pas ces crayons de couleur-là, vous pouvez très bien travailler avec des tons bruns, roses, jaunes et oranges. Ça fonctionnera aussi. L'intérêt de ces lives, c'est de vous proposer des cours en ligne pour vous apprendre différentes techniques. Et c'est aussi vous faire connaître du matériel artistique qui peut être différent, nouveau. Voilà, ça peut être aussi des nouvelles techniques, des nouvelles méthodes qui sont associés à un matériel spécifique, mais comme à chaque fois, je vous propose une alternative que vous pouvez bien sûr utiliser avec un autre matériel que vous avez chez vous. Alors, à ce propos, nous avons créé une page Facebook il y a quelques temps qui s'appelle Les ateliers en ligne de Canson. Et je vous invite à vous abonner à cette page, ça va vous permettre d'échanger sur les ateliers, mais aussi de partager vos réalisations. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est toujours pour nous très agréable de pouvoir échanger un maximum avec vous autour des ateliers. Vous pouvez ici sur cette page-là poser des questions sur le matériel, sur la technique, montrer aussi vos rendus et voilà, c'est vraiment intéressant. Alors avant de commencer l'atelier, je vous informe que vous pouvez télécharger un gabarit. Comme beaucoup d'ateliers, je propose ce petit coup de pouce qui vous permet en effet de vous aider. Soit vous l'avez téléchargé en amont et vous avez peut-être pu vous initier un petit peu au croquis. Sinon, vous pouvez donc le télécharger. Et sinon encore, hein, on va le faire ensemble au pas à pas. Donc je vais vous apprendre un petit peu comment le travailler. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour ce genre de dessin, il faut toujours commencer par construire le dessin avec des formes simples. Là, on est vraiment sur un rendu complexe. Nous, on va travailler les proportions, on va travailler les repères, on va travailler les niveaux pour apprendre à dessiner de manière simple deux personnages qui sont finalement très proches. C'est la difficulté de cette œuvre-là. Alors, je vais vous parler un petit peu du matériel. Aujourd'hui, moi, je vais utiliser donc du papier dessin Canson 180 grammes. Alors, idéal pour les techniques mixtes de dessin, mais aussi d'aquarelle. C'est un papier qui va avoir un grammage, on va dire comme un bon compromis pour gérer à la fois des techniques sèches et des techniques humides. Je vais utiliser aussi les crayons de couleur, donc Style Novo Skin Tones. Ceci, donc là, on est vraiment sur des crayons de couleur. Il y a 12 tonalités de couleurs de peau. Donc, on peut travailler différents types de peau. À la fois du très clair, du un peu plus rosé, parfois plus grisé. Donc très intéressant de travailler avec ça aussi. Je vais utiliser des crayons de couleur. Moi j'ai une très très grosse boîte, hein, mais les crayons de couleur que vous avez à la maison sont très bien. Je vais aussi utiliser la palette Aquarelle Giotto. Donc là ici je suis sur une palette 24 pastilles. Si vous avez moins de pastilles, vous pouvez aussi utiliser moins de pastilles, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que cette palette est très très bien pour travailler des bases d'aquarelle. Je vais avoir besoin donc d'un crayon de papier, d'une gomme, d'un gobelet d'eau, un essuie-tout.
Je vais aussi utiliser donc un petit stylo comme ça. Donc ça, c'est un stylo pointe fine hein, qui va permettre de travailler des petits contours, de mettre en avant les visages. Et vous allez voir, ça permet de contraster un petit peu le dessin. Et je vais aussi utiliser un marqueur donc, qui s'appelle Mark Hall blanc qui va permettre en fait de créer des petites lumières à la fois dans les yeux, à la fois dans les fonds. Mais on peut aussi créer du motif par superposition. Donc c'est très intéressant aussi ce type de support. Voilà, je vous ai un petit peu donné tout le matériel à avoir. Et les pinceaux, le pinceau bien sûr évidemment hein, pour le côté peinture. Donc vous voyez ici le rendu. Donc c'est une interprétation de l'œuvre de Paul Gauguin, Les femmes de Tahiti. Alors Paul Gauguin, c'est un artiste impressionniste. Ici, il va proposer une composition qu'il a réalisée lors de son séjour à Tahiti. Et il met en avant les courbes, l'harmonie à travers des personnages finalement plutôt mélancoliques. Si vous souhaitez, vous pourrez donner un peu plus de joie hein, dans les personnages. J'ai choisi de l'interpréter avec une technique, comme je vous l'ai dit, mixte, donc aquarelle-crayon. Et aujourd'hui, on va vraiment accentuer le cours autour de la couleur de peau. Vous allez voir que ces superpositions-là, en fait, de couleurs, vont permettre d'avoir une texture qui s'assemble très bien avec la technique de l'aquarelle aussi. Alors, pour commencer, on va prendre une feuille A4. Je vais faire un petit peu de place sur mon plan de travail. Voilà. Et je vais laisser à l'écran le modèle pour que vous puissiez aussi le voir. Alors attendez, ma caméra a un petit peu bougé, je vais la replacer. Voilà. Alors, hop. Alors, première étape. Donc déjà, vous allez avoir besoin de votre crayon de papier. Ici, ce qui est important de faire, et ce que je vous propose, c'est peut-être de faire un encadré sur votre feuille. Vous voyez, je vais vous montrer peut-être de plus près. J'ai créé un encadré sur ma feuille pour pouvoir venir dessiner ensuite mon dessin. On va d'abord placer les repères, et ensuite on viendra dessiner des formes très simples, presque un peu naïves. Alors, dans un premier temps, je viens placer ma ligne d'horizon. Voilà, je place ma ligne d'horizon. Et sur cette ligne d'horizon, je vais venir placer un ovale. Donc déjà, je vais commencer par le ovale de gauche, le petit personnage. Donc le ovale de gauche, il ne va pas toucher le haut hein, de la feuille. Je vais essayer d'appuyer un peu plus. Vous n'êtes pas obligé de trop appuyer. Moi, c'est vraiment pour que vous puissiez bien voir mon dessin. Et le deuxième, il va toucher la ligne. Et il va être très proche aussi du haut de votre feuille. Ça, c'est le premier repère. Pour l'instant, on n'est pas du tout ni dans le détail, ni dans la construction détaillée. On est vraiment sur la construction d'un croquis. Ensuite, le deuxième repère, ça va être de placer vers le bas de votre feuille, on va dire un peu plus de la moitié, une petite croix. Et c'est ici que va venir coller en fait le vêtement du personnage de droite. Ensuite, on va créer une petite ligne sans trop appuyer parce qu'on va l'enlever après, hein, vers le bas. Parce qu'ici, vous pouvez déjà commencer à faire une croix ici et une croix ici. On aura la main à cet endroit-là et le pied ici. Cette main et ce pied seront au même niveau. Voilà, si ça, vous l'avez bien compris, normalement, il n'y a pas de souci en termes de construction de dessin.
c'est vraiment qu'on a deux niveaux. On a un personnage à droite qui va être devant et un personnage à gauche un petit peu plus en retrait. Mais ces deux personnages-là se touchent. Voilà. Alors, on va commencer à construire les deux personnages. Alors, ensuite, on va commencer peut-être par le personnage de droite, qui est un peu plus imposant. Donc, très simplement, on va venir créer ici une forme très arrondie, comme une sorte de rond, hein, une sorte de boule. Et ensuite, on va créer ici une sorte de galette. Voilà, donc on a vraiment deux formes, une première forme ici et une deuxième en dessous. Sur le personnage de droite, on va commencer tout de suite par faire une forme. Alors, je ne saurais pas comment vous la décrire, mais qui ressemblerait plutôt à un carré un peu arrondi. Pour vous expliquer un petit peu, là on va avoir la poitrine. Ici, ça va être plutôt l'épaule derrière et là, le dos. Quand vous avez fait ça, vous pouvez gommer si vous souhaitez la ligne d'horizon. Et ensuite, je vais venir travailler le bras. Alors, vous voyez, elle a un bras ici qui est très présent et qui est très intéressant à travailler avec ce fond de couleur. Pour construire un bras, on peut le construire de manière très simple. Et donc, je vais vous l'expliquer. Vous allez créer deux ellipses. Donc, alors, le départ, il n'est pas proche du visage, hein, il est un petit peu plus bas. On va dire qu'il est à peu près par là. Et on va venir faire un premier ovale et un deuxième. Ensuite, je vais venir faire très simplement hein, la forme de ma main. Vous pouvez faire un petit peu comme un gant. Hop. Voilà. Là, on va pouvoir venir placer la forme de notre débardeur, donc collé à notre bras ici. Hein. Et ensuite, on va venir travailler le pareo. Donc, le pareo, vous pouvez faire une forme vraiment fluide, un petit peu en vague. Et donc, normalement, il faut que votre pareo vienne toucher le genou du personnage de droite. Et au bout de ce pareo, on va apercevoir un pied. On a aussi un pied donc, sur l'autre personnage, hein, vous voyez ici. Donc on peut le faire aussi dépasser un petit peu. Voilà. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu plus en détail pour le dessin. Alors, pour le dessin, on va commencer par le visage de droite. Là, on a fait vraiment peut-être le plus complexe. Maintenant, on va apporter la touche un peu plus personnelle, on va dire, du dessin. Donc, dans un premier temps, je viens travailler ici la forme de mon crâne. Donc, je place un petit peu. Il y a une petite raie hein, ici au milieu. Et puis, si je le souhaite, hein, je pourrais aussi retravailler la forme de ma tête.
pour avoir quelque chose de peut-être un peu moins droit. Je vais venir rajouter l'oreille juste à côté. Et ensuite, vous pouvez tout de suite déjà le faire, placer une fleur derrière l'oreille. Voilà, comme c'est des femmes de Tahiti, évidemment, ça reste très floral. Ensuite, on va placer le visage. Alors, pour vous expliquer un petit peu comment on travaille un visage, dans un premier temps, vous pouvez placer rapidement deux repères en faisant une croix sur votre visage qu'on viendra gommer après. Et c'est sur cette ligne-là, qui est à peu près au niveau de votre oreille, qu'on va venir placer les yeux. Donc, on peut déjà placer ici les sourcils de manière très très simple, sans appui. Et ensuite, on va placer un petit rond noir de chaque côté, côté droit. Le regard est vraiment tourné vers la droite. Voilà. Et alors, je vous donne des petits conseils pour avoir des visages pas trop rigides, pas trop sévères. C'est que lorsqu'on dessine un visage, c'est de ne pas faire toucher tous nos traits. Par exemple, quand on va faire l'œil, l'idée, ce n'est pas de faire un œil très réel, mais par contre, c'est de donner une intention et une émotion. C'est ce qu'on recherche ici. Donc là, une fois qu'on a fait nos deux pupilles très rondes, on va venir tracer le dessus de la paupière en collant ce trait-là à l'œil. Je peux vous montrer un petit peu à droite en beaucoup plus gros. Donc, je vais vous montrer. Donc là, j'ai mon rond ici d'œil et je viens par-dessus donc poser mes deux traits. C'est vraiment collé. Et en dessous, je vais venir travailler un petit trait très léger qui va venir coller aussi à la pupille. Il ne faut pas que ces traits-là se touchent. Voilà, vous voyez qu'il y a un espace entre chaque trait. Pour le nez, ça va être le même fonctionnement, c'est-à-dire qu'on va laisser de l'espace. On va créer des traits d'intention, mais on va laisser respirer, sinon on va avoir un nez trop imposant. Donc je vais partir du sourcil, venir faire mon trait. Non, attendez, je vais gommer. Parce que mon trait ne fonctionne pas. Voilà. Donc je pars mon sourcil, je descends. Il faut savoir que le nez, il va s'arrêter un petit peu plus bas que la moitié du visage. Je viens créer une petite vague, j'en crée une autre et une dernière. En gros, je vous montre à côté, ça fait un trait comme ça, une petite vague et une autre ici. Voilà, alors, je viens gommer parce que mon trait a bavé et du coup ça va me gêner après. Voilà, vous pouvez bien sûr gommer ensuite vos lignes de construction, on n'a pas spécialement besoin pour la bouche. Pour la bouche, même fonctionnement, je vais d'abord travailler le trait du milieu, le milieu des deux lèvres, donc un tout petit trait droit. Et ensuite, je vais venir faire comme une petite montagne, bien au centre de mon nez. Et un petit trait en bas. Donc ça vous fait comme ça, je vous le fais en plus gros à côté. J'ai mon trait du milieu ici.
J'ai une petite montagne au-dessus et un petit trait dessous. On peut, si vous souhaitez, retravailler le menton pour qu'il soit un petit peu moins rond et donner un peu plus de forme au visage. Donc je peux gommer, hein. Puis je viens retravailler ma forme. Voilà, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus fin. Pour le deuxième visage, ça va être beaucoup plus simple. Alors là, par contre, oui, vous pouvez faire le coup. Voilà. Pour le deuxième visage, on va déjà placer les cheveux. Donc, pareil, hein. Et on place l'oreille tout de suite, en même temps. Hop. Voilà. Et là, vous avez vu, ben moi, j'ai fait un ovale peut-être un petit peu trop naïf, un peu trop rond. Je viens retravailler un petit peu la forme de mes cheveux. Donc, un peu plus droit ici. Et puis ensuite, je vais venir travailler la couette. Si on voit mon épaule ici, je vais venir la gommer, puisqu'on n'a pas besoin de la voir. Je gomme ce trait de construction et je viens retravailler mon dos. Voilà. Et puis vous pouvez bien sûr faire les petites fleurs hein, qui sont qui sont autour. Alors elle en a deux petites fleurs, elle en a une ici, puis elle en a une proche de l'oreille. Voilà, donc maintenant pareil pour le débardeur, hein, je vous laisse un petit peu le retravailler de manière un petit peu plus précise, au niveau de la poitrine aussi. En fait, il faut que ce trait-là, il faut que ce trait-là, il touche votre bras gauche. Donc c'est ça la difficulté. Voilà. Donc n'hésitez pas, moi j'avais pas gommé mes petits traits de construction du départ. Je viens les gommer. Et ensuite, on va travailler donc la forme du visage. Soit vous décidez de gommer, soit vous pouvez travailler par-dessus. Moi, je préfère gommer un petit peu. Et on va venir travailler le front. On descend et on vient faire une vague pour faire le nez. On fait notre nez. On descend. Et on vient s'oblotir directement dans le t-shirt. Donc vous pouvez bien sûr marquer en dessous du nez votre bouche avec juste deux petits traits, hein, de manière assez simple. Voilà. Ensuite, vous pouvez faire votre petit sourcil donc au niveau du front et votre œil, donc elle a les yeux fermés hein, au niveau du nez.
On va continuer avec le bras. Alors, le bras, vous avez vu, on a créé deux ellipses pour créer les proportions. Maintenant, on va apporter un petit peu plus de finesse en venant dessiner le coude, donc en faisant un creux hein, dans notre coude. Mais finalement, c'est pas. On se sert bien de nos deux formes, hein. C'est vraiment important. Et on vient gommer la rencontre des deux ellipses. Voilà. Alors comme vous voyez que sur le pareo, on va avoir des motifs ici. On a deux solutions. Soit vous souhaitez les faire et les dessiner tout de suite, ce qui est une possibilité. Soit on peut les retravailler directement à la fin avec le marqueur blanc. Donc si vous n'avez pas de marqueur blanc, vous pouvez tout de suite faire les motifs de fleurs. Et n'oubliez pas qu'il y a un petit retour ici, donc une sorte de vague qui va descendre un petit peu. Voilà. Donc là, c'est le pli du vêtement. Pour la main, je vous propose de pas trop. Alors, on peut travailler un petit peu les doigts. Mais comme les mains sont très petites, on n'est pas forcément obligé de travailler les mains en détail. Donc voilà, je vais faire quelque chose de très simple. Voilà. On va ensuite passer au deuxième personnage pour l'explication donc du détail du corps. Alors, pour le deuxième personnage, on va déjà mettre en avant les deux parties. Donc, vous voyez la partie du haut et la deuxième partie, parce qu'elle est assise en tailleur, mais sa tenue est la même. Ici, déjà, on va mettre en avant le bras de droite. Donc, vous pouvez déjà, hop, le mettre en avant de cette manière-là. Et puis, vous pouvez commencer à faire trembler un petit peu le crayon pour donner cet effet de pli, de froisser. Pareil de l'autre côté. Donc, je viens placer mon bras, je repasse un petit peu sur mes contours et je viens donner cet effet, cette impression. Donc, vraiment, il ne faut pas trop maîtriser, il faut laisser aller. Cette sensation, voilà, de pli, de marque du tissu. Voilà. Et puis on va avoir le placement des mains ici aussi. Donc vous pouvez commencer peut-être à placer le pouce ici. Non, j'ai pas laissé beaucoup de place de mon côté. Hop. Voyez, je construis ma main d'abord dans un premier temps. Voilà. Et puis ensuite, donc on va passer sur le bas. Donc là, c'est pareil, je vous conseille de revenir un petit peu sur les bords, puis venir travailler des plis. On a certains appuis qui vont être moins appuyés, d'autres un petit peu plus. Mais c'est tous ces petits plis qui vont finalement créer beaucoup de finesse en fait dans votre dessin, qui sont très intéressants. Vous pouvez gommer des petites parties s'il y a des choses que vous voulez
qui apparaissent de manière moins importante. Voilà, ça sera l'étape du dessin. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi rajouter donc la mer qui est derrière. On a cet effet un petit peu de remous en trois parties. Avec une partie qui va être au centre un peu plus verte, un peu plus écumeux, écumé, vous voyez, de cette manière-là. Voilà. Donc ensuite, on va passer à l'étape du crayon de couleur et après, on travaillera l'aquarelle. On va faire ça d'une autre façon. On aurait envie peut-être de commencer par l'aquarelle, mais je trouve que placer les peaux, les couleurs de peau dans un premier temps, nous permet vraiment de nous aider pour les contrastes. Alors, je vais sortir mon matériel et je vais vous expliquer. Je ne vais pas tous les utiliser pour ces personnages-là. Je vais utiliser donc un plutôt couleur crème qui peut tourner vers des roses très clairs. Ça va être ma couleur la plus claire. Je vais utiliser aussi un brun très clair, un caramel. Je vais utiliser un qui va tourner un petit peu plus au rouge. Alors, je regarde lequel je vais prendre. Je vais prendre celui-ci. Donc, vous voyez, il n'y a pas grande différence entre les deux. Et ensuite, je vais prendre un brun plutôt foncé. Donc, dans ces tons-là. Peut-être que j'en utiliserai un autre. Mais voilà, cette gamme de couleurs permet de faire des dégradés et d'accentuer certaines ombres et certaines lumières. Donc, si vous n'avez pas ça, vous pouvez très bien utiliser, par exemple, un rose très clair. Un jaune, un orange et un brun. Ça marche très bien aussi. Alors, je reviens un petit peu. Je ne sais pas si vous vous rappelez la dernière fois sur le dernier atelier. J'avais travaillé sur les différentes forces de l'aquarelle, du crayon de couleur. Donc, je vais revenir un petit peu sur ça. Je vais vous expliquer comment on crée un dégradé. Et ensuite, je vous expliquerai comment, avec ce dégradé-là, on applique ces couleurs-là. Alors, je vous montre sur le côté de ma feuille. Je vais prendre ce brun-là pour que vous voyez bien. Donc, il y a trois forces. Pour vous aider, il y a force 1, force 2 et force 3. La force 1, ça va être la force très légère, avec très peu d'appui sur le papier, qui permet de voir la transparence et le grammage du papier. Ça, c'est force 1. Vous voyez, on la voit légèrement à la caméra. Force 2, ça va être un petit peu plus appuyé. Mais il y a toujours de la transparence. Et force 3, ça va être un appui beaucoup plus intense. Avec moins de transparence. Donc là, pareil, ça va dépendre du grammage de papier. Ici, si on est sur un 180 grammes. Donc, on ne recouvre pas complètement le papier, mais c'est aussi très intéressant, finalement, de voir la transparence du papier. Voilà le dégradé. Ça, c'est le principe du dégradé. On va commencer avec des tons très clairs. Donc, moi, je vais commencer avec cette couleur-là. Et on va recouvrir la totalité des visages en force 1 ou 2. Alors, parfois, ça peut venir un petit peu sur le crayon de papier et donc du coup baver. C'est pour ça que je vous conseille fortement de ne pas appuyer fort avec votre crayon de papier. Et on va venir placer, voilà, toutes nos peaux. Vous verrez qu'on l'utilisera aussi dans un second temps, à la fin, pour venir rehausser les couleurs. Donc là, voilà, je pose vraiment ma base. C'est ce qui va représenter la lumière de mes peaux.
Voilà. Voilà, j'ai placé toutes mes couleurs. Et ensuite, je vais prendre donc celui qui est un ton au-dessus. Donc la couleur plutôt caramel. Et là, il y a vraiment une observation à faire, c'est-à-dire qu'on regarde. Vous pouvez vous servir hein, de l'original. C'est de regarder où est la lumière, où sont les petites taches rosées, les taches un peu plus foncées. Un visage, c'est pas lisse. Il va vraiment y avoir différentes variations et différentes tonalités. Donc moi, par exemple, avec cette couleur-là, je vais commencer à rehausser le côté gauche. Et ce que je trouve très intéressant et ce que vous pouvez faire, c'est toujours retravailler le contour, les bords. Voilà, je commence un petit peu. Alors là, je suis plutôt en force 2, j'appuie un petit peu plus, hein. À des endroits, je vais être un petit peu plus légère. Je vais vraiment varier les forces et les appuis que je vais avoir sur mon crayon. Des endroits, je vais vraiment survoler légèrement, mais ce qui va permettre d'empêcher les limites. Voilà. Donc là, on commence à rehausser. Ça reste encore très léger. Et je vais apporter mes petites zones de rouge. Donc le rouge, c'est ce qui va apporter quelque chose d'un peu plus chaud. Donc là, je vais appuyer un peu plus, hein, je commence. Et ce qui est intéressant en fait avec ces crayons, c'est qu'il y a une très bonne pigmentation et cela permet de se superposer et en effet de du coup créer une sorte de texture. Voilà, sur le nez par exemple, on peut avoir une petite marque sur la gauche. Voilà, donc vous voyez là, on commence à être un peu plus fort. Après, c'est vraiment selon vos goûts aussi, hein. Il y a certains dessins qui méritent peut-être d'être moins appuyés, d'autres un peu plus. Ça va dépendre de votre papier aussi. Et ensuite, je vais venir avec donc un brun beaucoup plus foncé. Et c'est là où on va contraster un maximum. Donc, je reviens toujours sur mon côté gauche, ici, là où il y a le plus d'ombre. J'apporte, on va dire, en force 2, à peu près, hein. Et l'intérêt de tout ça, c'est de ne pas en mettre partout. C'est de choisir ses zones. C'est toute la difficulté, d'ailleurs. Voilà, il faut arriver à trouver aussi ces zones de lumière. Et ensuite, je reprends, et ça c'est la dernière étape, mon beaucoup plus clair, et je retravaille dessus. Ça va venir lisser les couleurs entre elles et apporter cette zone de lumière, même par superposition sur du plus foncé. Je retravaille avec un plus clair à la fin. Si on voit qu'on a besoin peut-être d'un peu plus de rouge, on rajoute un peu plus de rouge. Par exemple, sur la lèvre, on peut apporter aussi une petite ombre un peu plus forte. Donc là, vous voyez, le visage apparaît beaucoup moins, hein, il est presque effacé. Et c'est normal, on va le rehausser donc avec un stylo noir. Donc je vais vous montrer, je vais prendre un stylo noir très fin et je vais venir replacer mon visage. Voilà, ainsi que les sourcils, mon nez. Et ma bouche.
Voilà, donc ce principe-là, on peut l'appliquer ensuite sur les mains, sur les pieds, sur le bras. On va refaire l'autre visage. Donc là, c'est vraiment le plus, on va dire, le plus complexe. L'autre visage est un petit peu plus simple. Donc une fois que j'ai placé ma couleur claire, je vais venir apporter mon rouge. Donc là, je passe directement à une couleur un petit peu plus rouge que je viens mettre sur le côté gauche. Donc j'apporte une force 2 et à la fois une force 1 en dégradant. Ensuite, je vais apporter mon brun. Donc, je reviens un petit peu sur mes contours. Je peux venir faire du détail au niveau, par exemple, de la bouche, au niveau du nez. Et ensuite, je vais retravailler donc avec ma couleur beaucoup plus claire. Et je repasse par-dessus. Voilà ces étapes. C'est vraiment, d'abord, je commence par du clair. Ensuite, j'apporte des touches de lumière avec du rouge, quelque chose d'un peu chaud. Et ensuite, je vais finir à la fois avec un brun très foncé et à la fois, je vais revenir par-dessus avec une couleur plus claire. C'est vraiment une petite recette, hein, un petit mélange. Et une fois qu'on l'a compris, c'est vrai qu'on arrive à faire des choses assez sympas. On peut avoir une paupière peut-être un peu plus foncée. Et ensuite, voilà, je vais prendre mon stylo noir et je vais venir retravailler. Mon visage. Donc ensuite, je vous invite, on va travailler le bras, puis on viendra faire le pied, les pieds et les mains après, parce qu'il y a beaucoup moins de travail. Pour le bras du personnage de gauche, je vais commencer tout de suite avec ma couleur caramel. Et là, sur ce bras-là, on remarque que sur le centre du bras, il va y avoir pas mal de lumière. Donc on va vraiment travailler sur les deux côtés. Donc j'apporte mon brun couleur un petit peu caramel, hein. À la fois force 2, à la fois force 1. J'essaie de créer du dégradé. Je peux vraiment travailler différents sens aussi. Ensuite, je vais apporter mon rouge. Donc là, je vais appuyer un petit peu plus autour de mon rouge. Voilà. J'appuie un petit peu plus. J'apporte du contraste. Je viens peut-être faire mes rebords. Je varie les sens pour colorier. Et puis après, je vais finir. Vous voyez, on voit bien hein, que ma lumière, elle reste toujours au milieu. Je vais encore accentuer avec le plus fort et en retravaillant mes contours. Donc vers le bas, là, on va avoir quelque chose d'un peu plus fort. Bon, là, je lui ai fait des poignets assez épais. Vous pouvez bien sûr les faire plus fins. Hein. Je dégrade et je laisse apparaître ma lumière. Et je reprends mon crayon de couleur, donc beaucoup plus clair. Et je retravaille par-dessus.
peux rajouter un petit peu plus de brun ici. Voilà, et ensuite, donc, il vous reste ce pied et ce pied-là. On va travailler avec un petit peu plus de foncé. Mais l'idée, ce n'est pas non plus de faire des contrastes trop trop forts. Voilà, on peut mettre en avant, par exemple, les pieds avec des petits traits ici. Et ce pied-là, juste en dessous. On va rester assez léger. Bien sûr, on peut rajouter un petit peu de brun. Et... Donc là, j'apporte mon caramel sur mes mains. Et comme vous pouvez le voir, ces mains-là, finalement, ne sont pas au premier plan. On va vraiment plus s'accentuer sur les visages. Donc, on apporte un petit peu moins de contraste sur ces parties-là. Voilà, je suis restée très simpliste hein, sur les mains, sur les pieds. Parce qu'on est vraiment plus dans la technique du crayon de couleur et des valeurs que du dessin. Et le risque, si on faisait des doigts très très travaillés, c'est d'avoir quelque chose d'un petit peu lourd pour cette technique-là. Voilà, donc là, bon, si vous observez des pots à droite à gauche, hein, n'hésitez pas à remplir. On met les lumières. Et on observe. Il faut toujours prendre un temps pour observer, regarder ce qui se passe visuellement dans l'ensemble. Et de temps en temps, on se dit, ah ben là, peut-être il faudrait une petite lumière ici ou ici. Et là, on a créé les peaux. Donc, on va passer maintenant à la partie aquarelle. Donc, je vous invite à prendre un gobelet d'eau, un essuie-tout et un pinceau. Et puis, bien sûr, votre palette de peinture. Alors, hop, je m'installe. Voilà. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est peut-être de commencer par les vêtements. Comme ça, ça permettra de sécher. Pendant que nous, on sera en train de peindre la mer et ensuite le sable. Alors, je refais un petit point sur l'aquarelle. Ici, on ne va pas faire une aquarelle trop détaillée parce qu'on va le retravailler avec le crayon de couleur. Mais on va quand même faire des petits jus. Je vais utiliser pour faire mes vêtements ce rouge ici pour avoir un rouge assez fort. Et je vais utiliser un violet pour le personnage de droite. Donc, je reprends un petit peu la technique de l'aquarelle. Je trempe mon pinceau. Je tourne dans ma pastille. Je reprends de l'eau si besoin. Hein. Je crée ma couleur sur la palette. Et ensuite, j'applique. Donc là, je suis sur le paréo hein, du personnage de droite. J'applique mon aquarelle un petit peu sous forme de tache. Je choisis ou non de rajouter de l'eau. Et pour créer vos lumières, vous allez ensuite sécher le pinceau sur votre essuie-tout et venir repasser dessus. Alors pour sécher, il faut qu'il y ait de l'eau dans la matière, sinon ça ne sèche pas très bien. Si vous voulez un rouge très intense, vous mettez un petit peu moins d'eau. On peut aussi choisir de retravailler par-dessus hein, pour avoir une ombre un peu plus forte, par exemple au fond. J'aime bien, moi, créer ces contrastes-là.
Ensuite, je rajoute un petit peu d'eau au bord ici, vous voyez. J'essuie mon pinceau et j'essuie ensuite ici. Voilà. On peut avoir aussi un petit peu plus ici, quelque chose d'un peu plus fort là. Ensuite, pour le personnage de droite, donc là, j'ai travaillé avec une couleur un peu plus bleue. Donc, on va prendre un violet. Je vais la placer ici. Voilà. Et je vais travailler mon personnage. Donc, vous voyez, je pose ma couleur ici, qui est un peu forte. Je rajoute mon eau. Et j'éponge. Hein. Je n'attends pas que ça sèche. C'est vraiment la difficulté, c'est qu'il faut être assez rapide. J'ai envie d'éponger, moi, par exemple, cette partie-là. J'ai envie d'éponger cette partie-là. Et puis, j'ai envie de rajouter de l'eau pour avoir des transparences à ce niveau-là. Bon, l'idée ici, hein, c'est vraiment d'appliquer une couleur, on va dire, humide. Mais finalement, toute la finesse va se trouver après dans le travail des plis et du drapé avec le crayon de couleur. Voilà, et ensuite là je vais attaquer donc ma mère. Donc là pour la mère, on va travailler peut-être un bleu légèrement vert. Donc je vais prendre un bleu marine. Et je vais prendre un vert ici, que je vais venir un petit peu rajouter dans mon bleu. Alors il ne faut pas qu'il y en ait trop. Ça reste quand même. Voilà. Et comme vous pouvez le voir sur le modèle. Comme vous pouvez voir sur le modèle, on va avoir deux parties bleues et une partie un peu plus verte au centre. Je vais commencer par ma partie bleue. Alors, elle est très foncée, donc je vais rajouter de l'eau. Voilà. Il vaut mieux avoir peut-être un peu trop d'eau au départ et venir enlever le surplus. Ensuite, voilà, et là j'essuie mon pinceau et puis je vais venir enlever peut-être un petit peu ici. Ensuite, je garde cette même couleur et je viens la travailler en bas. Voilà, par exemple, j'ai envie de la foncer un petit peu plus, donc je rajoute du pigment ici. Puis, je viens en enlever un petit peu aussi ici. Pareil, hein, ça c'est vraiment à votre ressenti, comment vous avez envie de, comment vous appréhendez hein, la technique, la matière, et comment vous voyez aussi votre fond. Et pour la barre du milieu, enfin pour la rangée du milieu, je vais rajouter donc un peu de vert dans mon bleu pour qu'elle soit légèrement plus verte. Voilà. Vous voyez, je pose une couleur assez, assez forte, assez franche, mais je vais pouvoir venir tout de suite rajouter de l'eau et peut-être la fondre un petit peu. Voilà. Et pareil, hein, donc troisième étape, je viens enlever le surplus
Il ne faut pas l'enlever partout non plus, hein. C'est toujours la difficulté, c'est qu'il faut garder des zones aussi un peu fortes. Et ensuite pour le sable, donc là, étape très simple, hein. Je vais venir prendre, donc là, il faut bien rincer son pinceau pour ne pas avoir de bleu ou de vert sur son pinceau. Et je vais venir prendre de l'ocre, donc ocre jaune que vous avez ici. Si vous n'avez pas ocre, vous pouvez aussi utiliser un jaune mélangé peut-être avec du brun. Et je vais poser des petites flaques, plus ou moins intenses. Hop, j'apporte mon eau. Moi, j'aime bien, voilà, avoir une sorte de dégradé, peut-être un peu plus clair devant. Pardon, je sais que vous ne voyez pas. Hop, j'avance un petit peu plus. Voilà. Et puis, je vais peut-être enlever des petites parties par ici. Là, l'idée, c'est d'avoir un sable un peu mouvementé, avec aussi un peu de volume. On pourrait rajouter aussi des décors, hein, si on souhaite. Vous voyez, la particularité de ce papier, finalement, c'est qu'on arrive à travailler les deux méthodes. Et qu'on arrive à avoir quelque chose d'assez original en termes de technique. Et là, on va venir rajouter maintenant le crayon de couleur sur l'aquarelle. Alors, en attendant que ça sèche, je vais tout de suite commencer à utiliser un noir ou un brun très foncé en crayon de couleur pour pouvoir faire les cheveux. Donc, je vais prendre un noir. Ou alors on peut aussi mélanger brun et noir. Donc là, je colorie mes cheveux. Voilà. Comme ça, le séchage de l'aquarelle se fait en même temps. Voilà, donc je fais pareil de l'autre côté. Et puis on peut aussi colorier les fleurs. Donc à vous de voir quelle couleur vous avez envie de mettre, hein. On n'est pas obligé de mettre du rose ou du jaune. J'aime bien aussi l'orange. Mais il faut savoir que quand on fait ce genre de réalisation, c'est bien de faire des petits rappels de couleurs. Si j'ai du rouge dans mon travail, eh bien, je vais peut-être le réutiliser peut-être pour les fleurs ou peut-être pour un peu travailler le débardeur. Ou... Voilà, il faut faire des petits rappels. Voilà les cheveux. Donc là, vous voyez, j'ai plutôt travaillé les cheveux en force 2. Il y a pas mal de transparence. Mais comme mes visages sont plutôt appuyés, peut garder quelque chose d'un peu plus effacé. Et ensuite, je viens travailler donc mes fleurs. Alors, je vais utiliser un rouge. Je vais utiliser un rouge pour celle-ci. On peut laisser hein, toujours des petits espaces de lumière. Et je vais utiliser par exemple un violet pour faire le rappel ici. Et puis pour le troisième, je vais utiliser un jaune.
Voilà, donc là, il ne nous reste plus qu'à travailler maintenant les plis, le travail dédrapé, les valeurs, et on aura une belle réalisation de technique mixte. Alors, on va commencer par le débardeur. Donc, moi, je vais prendre un bleu marine. Alors, je vais utiliser une couleur complémentaire, donc du rouge. Et voilà, ce bleu va nous permettre de travailler à la fois les ombres du pareo et à la fois les ombres du débardeur. Et puis, vous pouvez aussi utiliser un brun si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi, ce que je trouve intéressant, reprendre une couleur, par exemple, qu'on a utilisée pour la peau. Donc, je vais déjà retravailler mes traits. Voilà. Et ensuite, j'apporte sans trop appuyer, vraiment en force 2, j'apporte mes ombres. Donc là, j'appuie pas trop, hein, je reste vraiment très souple sur l'appui. Je varie l'essence de colorisation. Voilà. Et ensuite, avec mon brun, je vais venir travailler un petit peu par-dessus. On n'est pas obligé de le faire partout, mais voilà, ça va donner ce côté un peu plus chaud au personnage. Ça va créer quelque chose de plus réel aussi. Et je vais garder mon bleu ensuite pour le pareo. Alors moi, je vois que ça a quand même séché, hein. Donc tout de suite, je vais commencer par faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, mon contour. Par exemple, je peux venir faire le contour aussi ici. Et je vais venir travailler mon ombre. Donc là, j'attaque directement peut-être force 2 et je vais aller vers une force 1 en dégradant. J'appuie assez fort et plus je vais dégrader, moins je vais appuyer. Vous voyez, j'ai recouvert de manière assez importante le haut de mon pareo. Mais finalement, ça se voit par transparence. Pareil sur le pli ici, on va avoir une ombre assez importante. Je peux rajouter un brun à ce niveau-là. Par-dessus. Les superpositions avec ces crayons de couleur se font très bien. Voilà. Donc je laisse toujours, hein, bien sûr, un petit peu de rouge. Je laisse apparaître mon aquarelle, hein, j'en mets pas partout. Mais par exemple, j'aime bien moi faire les petits contours. Je peux même utiliser mon bleu pour venir travailler un petit contour de pied. Je peux aussi utiliser mon bleu pour venir faire une petite ombre portée ici au niveau de la main. Alors pour le personnage de droite, c'est un petit peu le même fonctionnement. Donc pour le personnage de droite, je vais plutôt utiliser un bleu et un bordeaux. Celui-ci m'a l'air pas mal. Ouais. Un bleu et un bordeaux. Donc vous voyez qu'il y a une ombre qui est très prononcée vers le visage ici. Donc cette ombre-là, on va la travailler tout de suite. Donc encore une fois, je commence, moi ça me met toujours très à l'aise de commencer par mes bords. Donc, je dessine un petit peu mes bords, je viens travailler des plis, j'appuie plus ou moins et je viens, voilà, dessiner ma première ombre, hein.
Là, il y a un appui qui est assez important. C'est vraiment une onde qui est plutôt forte. Donc, je commence par mon bordeaux et dans un second temps, je viens rajouter mon bleu dedans. Ici aussi, on va en avoir un petit peu. On va en avoir au niveau des plis ici. Vous avez vu, moi, mon personnage est un petit peu plus, il a un petit peu plus la tête baissée. Pourquoi? Parce que mon épaule est plus haute. Donc, si j'avais fait mon épaule un peu plus basse, j'aurais moins cette sensation en fait de tête baissée. Mais bon, c'est un détail, hein. C'est pas très grave. Donc, je crée tous mes petits traits. Voilà, je viens vraiment travailler cette sensation de pli, cette sensation de vêtement, et qui va donner de la fluidité au dessin. Voilà, je travaille pour l'instant tous mes contours. Voilà, j'aime beaucoup vraiment apporter quelque chose d'un peu épais sur les bords. Et là, je suis en train de travailler tous mes bords. Et puis, je fais mes plis. Puis après, je vais apporter des petites zones un peu plus couvrantes. Je reprends mon bleu, et puis je vais apporter un peu plus d'ombre ici, par exemple. Ici, au niveau du ventre, il y a une ombre qui est très importante. Voilà, c'est vraiment la posture qui va faire cette ombre-là. Donc là, je vais commencer avec mon bleu, et puis je vais superposer avec mon ton marron après. Non, mon ton bordeaux, pardon. Et pour éviter, si, alors ça c'est vraiment au niveau des goûts, hein, mais si vous voulez éviter cette limite assez franche, eh ben vous continuez en faisant un dégradé. On peut aussi utiliser un petit peu de bleu. Voilà. Donc, vous voyez, je mixe entre mon bleu et puis mon bordeaux. Je travaille vraiment avec les deux. Ici, je vais apporter un peu de bleu. Je vais colorier ici aussi cette partie-là. Cette partie-là aussi. Puis, je reviens avec mon bordeaux. Puis mon bordeaux peut venir aussi accentuer un peu plus le pied. Et puis je peux casser aussi le rythme, hein, en coloriant dans l'autre sens. Voilà, on commence déjà là, on commence vraiment à avoir un vêtement un peu plus réaliste. Je reviens avec mon brun. Ici, je vais avoir une ombre. Voilà, donc un petit peu le principe ici du crayon de couleur sur l'aquarelle. Ce qui est intéressant, c'est en fait cette transparence entre la technique humide et à la fois la technique sèche. Et en plus, c'est très agréable, je trouve, de travailler de cette manière-là. Et si on n'est pas très à l'aise avec l'aquarelle, on peut travailler de cette manière-là. Ensuite, bah, je peux faire une petite ombre portée, hein, au niveau du pied ici, pour qu'on n'ait pas la sensation qu'elle vole, qu'elle est bien posée au sol. On peut avoir aussi quelque chose par là. Et dans un dernier temps, on va venir travailler un petit peu nos contours, donc avec le stylo noir. Donc on n'est pas obligé de le faire partout, hein, puisqu'on a travaillé avec le crayon de couleur.
On peut le faire à certains endroits, par exemple mon oreille, je trouve qu'elle se voit très peu, ainsi que mon visage. Je reviens le travailler un petit peu plus. Ou bien marquer certains points, certains traits. Là aussi, mon oreille ici mérite un petit peu plus. Mon front aussi, voilà. Et dans un dernier temps, donc le travail avec le marqueur blanc en superposition. Alors, ce que j'aime beaucoup faire, c'est mettre les petites lumières dans les yeux qui vont donner beaucoup d'émotion au personnage. Donc, je vais juste faire un petit point à côté, ici côté gauche de mon œil. Je vais rajouter une petite lumière aussi sur la bouche. Voilà. Je peux rajouter aussi une petite lumière sous le visage ici. Et ensuite, je vais pouvoir créer des motifs ici sur mon pareo. Voilà, je viens les remplir. Alors, ce qui est super, c'est que ça passe en superposition. Et on ne s'est pas embêté du coup à faire les contours avec le pinceau tout à l'heure. Voilà, on peut avoir différentes formes. Voilà, ça rend quelque chose d'un petit peu sympa, un petit peu coloré. Voilà, et vous voyez par exemple, je vois que mes cheveux ne sont pas assez contrastés. Je reviens dessus, pareil pour ma tête. Voilà, bon après on pourrait encore y passer du temps, travailler encore un peu plus de détails. Si on veut, on peut aussi travailler crayon de couleur dans notre fond. Et après, donc, si vous avez travaillé comme moi avec un rectangle ici au milieu de votre feuille, vous pouvez soit découper, soit je trouve que ça a beaucoup de charme aussi de garder des bords avec de la peinture de manière un peu irrégulière. Je trouve ça très sympa aussi. Voilà, donc on a terminé notre atelier. J'espère que cela vous a plu et que vous avez passé un bon moment avec moi. Donc la prochaine fois, nous serons sur un atelier plus autour du feutre et peut-être même sur une technique du street art. Et puis je vous donne rendez-vous alors pour le prochain atelier le 4 mai de 18h à 19h, donc qui sera un atelier autour des fleurs avec la technique de l'aquarelle et ça sera avec Claire-Lise Chaubelet. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt.